Salut tout le monde, c'est Plouguito. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Jusqu'au sommet. Donc j'ai vu que le premier épisode avait été un peu long, donc aujourd'hui je vais faire le deux matchs. Donc j'ai vendu mon autre équipe qui m'avait rapporté 134 000 crédits. Et donc avec ces crédits, j'ai pu faire cette équipe-là. Une belle équipe avec un mix Brésil, Bundesliga et bon, BPL, j'ai mis deux joueurs, donc j'ai mis Diego Costa, j'ai envie. Donc on va changer d'entraîneur. J'ai oublié de le faire. On va être entraîneur brésilien ou BPL? Bon, brésilien. Toujours du Brésil. Voilà, parfait. Oh, quoique un entraîneur d'Allemagne, ça ferait du bien. Est-ce que j'en ai un? Bon, je pense que je dois en avoir un qui traîne. Un truc comme ça. J'ai plus d'entraîneur. Bundesliga parfait en plus. Brésilien, très bien. Le collectif est... Et au top quasiment pour tous les joueurs. Donc c'est parti. On part pour le premier match. Donc je vais en faire deux. J'espère remporter les deux, ça serait sympa. Donc j'ai trouvé un adversaire. J'ai mis le maillot de Bordeaux. Je joue mon maillot de Leicester, donc on va jouer avec le maillot de Bordeaux. Je vais mettre un peu de son. Un peu. On aura les commentateurs. L'Atlético. Donc une belle équipe. Ouais, une assez belle équipe de Liganos, du Portugal. Contre, je n'ai pas tout compris ses choix en défense. Il a mis un défenseur droit, un défenseur gauche. Alors qu'il joue en 3 défenseurs centrales. Tant pis pour lui. Donc on joue au Britannia Stadium, le stade de Stoke City. Ceux qui suivent aussi la carrière manager. J'espère que cette équipe ça va marcher, ça devrait le faire. J'ai hésité entre Dick Meyer et Piszczek en défenseur droit et j'avais envie d'essayer Lucas Piszczek. Gustavo, décale. Alors, c'était pas pour Lewandowski, c'est dommage. Diego Costa. Non, 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 non. Oui, bien joué, Aldo. Lewandowski aurait mieux fait de laisser à son partenaire derrière, Piszczek, oui Ramirez, t'es rapide en plus. T'as vu Diego Costa, bonne fusée. Mais il est très bon, Ramirez. Ramirez qui a d'ailleurs signé en Chine. Je trouve c'est dommage, mais je crois qu'il commence à se faire vieux, donc l'argent quoi. Aldo, bien joué. Oh merde. Oh putain, Boubacar tout seul. De retour de David Luiz. Il faut pas que je fasse faute avec David Luiz, sinon je prends un rouge. Et j'en ai pas envie de prendre un rouge. Ouf, belle parade de Diego Alves. Ouf, il se tire dedans. Ouh, la claquette de Diego Alves qui me sauve.
Oh merde. Oui. La chance hein, sur Luis Gustavo. Oui, Ramirez qui est monté. Oh merde, il la perd. Allez, Marcelo. Naldo face à Cristian Tello. Naldo qui est très, qui a de très belles stats cette année. Et je pense que ces stats vont baisser l'année prochaine vu la saison que fait Wolfsburg. Après, on regarde pas particulièrement les prestations de. De comment s'appelle Naldo. Cristian Tello face à Marcelo. Il est très rapide. Je joue Lewandowski. Allez. Bien, le truc sur Naldo. Un manque de vitesse devant, il faudra que je joue autrement que sur la vitesse. Donc, mi-temps, ouais, bah. L'adversaire domine et ouais, bah, il faudra se réveiller. Bien joué, Marcelo. Thiago, la frappe! Oui! Belle frappe de Thiago Alcantara. 1-0. Marcelo qui a dribblé tout le monde en fait. Et ouais, belle frappe de Thiago Alcantara. Sans contrôle, frappe directe. Beau contrôle de Diego Costa. Ouf. Oh, le contre chanceux, le contre favorable. Oui, il a de la chance lui. Là c'est son, là c'est, j'ai eu beaucoup de chance sur le contre favorable, mais là sur la barre de Thiago, il a lui aussi beaucoup de chance. C'était pas pour toi, c'était là-bas. Ah dommage que Philippe n'arrive pas à emmener son ballon. Non, ça finissait au fond. Bien joué, Piszczek. Oh non, oh non, ça sent pas bon. Oh, quel arrêt du goal, oh là là. Mais c'est qu'il est bon ce gardien. Très bon gardien. Oh oui. Très belle là. Oh merde. Oh là là, quel but. Très beau but. Très très beau but de Yacine Brahimi. Je jetais avec Piszczek, j'aurais pas dû. Mais je pensais qu'il allait avancer en fait vers le but. Et non. Ça doit pas changer grand chose. Oh Philippe Lam! Oh Philippe Lam! Je m'y attendais pas du tout, je pensais faire un match nul et. Oh! Thiago Alcantara et Philippe Lam qui tuent le match. Je sais que c'est pas très mérité, mais tant mieux. L'adversaire était. T'es sûrement meilleur que moi, mais j'ai gagné.
Et c'est le plus important. Hop, Thiago et Marcelo. Ouais, je pense pas que je mette la vraie. Ouais, il fait 10 tirs, j'en fais 5. Bon, après, ouais, hein, Diego Alves, c'est énorme. Bon, première victoire. Donc, on l'a retrouvé, on est retombé sur le même adversaire. Et ce coup-ci, bah, il est prêt à jouer. On joue avec le maillot de Leicester. Donc, il a une équipe de Liga BBVA. Vraiment un peu nul. Il y a Nordin Amrabat qui est assez rapide. Danny Parejo qui est pas mauvais. Yann Oblak. Et il a Charlie Adam. C'est pas ce qu'il fait là au milieu. Il a dû sûrement avoir un joueur suspendu ou un joueur blessé. Bon, ce coup-ci, on espère de faire un meilleur match que le match précédent. Mec, qui joue une touche de balle. Ouh là. Faute! Pas faute! C'est une blague. J'ai voulu dribbler Ronaldo, j'aurais peut-être pas dû. Marcelo. Face à Beñat, Trashoras. Non, non, non. Oui, voilà, le but, il fallait s'y attendre, on fait le malin avec Naldo. Derrière, on prend le but de Nordin Amrabat, je crois. Ouais, but de Nordin Amrabat. Et puis check. C'est Philippe Lam. Et Thiago. Le dribble. La frappe. Oh, comment il rate ça? Chip. Le ballon. Oh. Allez, Marcelo. Bien joué, Diego Alves. Bien joué. T'entends que sur des bons adversaires, c'est chaud. On est qu'en 19, 19. Pas dire que je suis nul, mais. Donc que contre des bons adversaires. Oh putain, l'enfoiré. Naldo qui n'arrive pas à prendre le ballon, David Luiz, le ballon était face à lui, il n'arrive pas à le prendre. Super. Oui, Diego Costa. Et voilà, ça c'est un beau but. Quelle frappe. Quelle frappe. Super frappe de Thiago Alcantara pour tenter de revenir au score de 2 buts à 1. Oui, bien joué. Pas assez rapide. Fais chier, putain, ça me saoule. Change de position pour jouer. Et on va aller gagner ce match. L'équipe me plaît vraiment pas. Luis Gustavo, je le trouve mauvais. Il est vraiment très mauvais. Voilà, Luis Gustavo, l'inutilité. L'inutilité du garçon. Voilà, l'inutilité. Je lui demande de la mettre à Lewandowski, c'était pas compliqué. Ouais, franchement, mais c'est. Non, mais. Luis Gustavo, t'es une grosse daube! C'est vraiment une grosse daube, ce joueur. Luis Gustavo. J'aimerais juste voir sa note. Là, c'est la merde en excellence. 6,6. Marcelo, il a moins bien. Ma putain.
C'est une blague, la chatte qu'il a. Voilà, Lewandowski, t'étais hors jeu, t'es con ou je sais pas comment ça se passe. En tout cas, super de Thiago qui fait le 1-2 avec Piszczek. Et qui marque tout seul, le petit Thiago. Très bien. Bien joué. Le départ de Marcelo. 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 Fais parler la vitesse. C'est une blague, Lewandowski. Tu mets des retours acrobatiques au match, mais là, tu préfères mettre une tête? Je comprends pas tout. C'était trop compliqué de la passer à Thiago Alcantara. Malgré un gros raté au début, avec Philippe Lam, ils sont vraiment très bons. Oh, le contrôle! Non, Robert! Oh, fait chier. On avait Luis au duel avec Kano Black. Vas-y, j'attente avec Naldo ou le David Luiz. David Luiz, est-ce qu'il a plus d'effet? Oh, celle-là, je l'aurais marqué. Oh, il était sublime. Ah, il était un... ouais, je suis là pour voir plus en lucarne, mais la balle était très flottante. Super bien tiré. On tire Philippe Lam. Le petit Philippe Lam. Oh, Thiago, mais il est partout. Non, mais non, c'est quoi ce... C'est quoi? C'est quoi ça? Oh, c'est abruti, tire à côté du ballon. Ah bah enfin! Allez, encore un, c'est pas fini. Super. Super. Fête de merde. Match de merde. L'équipe me plaît pas du tout et je vais devoir malheureusement finir la division avec cette équipe de merde. Cagou qui est bon. Alors Lewandowski, mais t'es nul. Voilà, par contre les stats, j'aimerais bien qu'on regarde. 15 frappes. Non, tout va bien. Bon. Bon, malgré que ce soit un épisode de merde, mais vraiment de merde. Donc il y aura d'autres épisodes sûrs dans cette division. Enfin, c'était sûr qu'il y en a au moins un deuxième, mais il y aura au moins trois épisodes pour cette division. Bon, j'espère que cet épisode vous a quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Salut!